Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 27 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé s'aimer soi-même. Grâce à cette carte, eh bien, n'oubliez pas que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Beaucoup, énormément de personnes ont du mal à s'aimer. Et j'en ai déjà parlé dans différentes capsules. Et la première chose que je conseille, allez devant un miroir, regardez-vous. Regardez la personne qui est dans ce miroir. Et cette personne, c'est vous. Et vous êtes une belle personne. Vous avez peut-être fait des choses dans votre vie que vous n'êtes pas fière, mais dites-vous que vous étiez ici. Vous êtes ici pour expérimenter. Et on expérimente des belles choses et des mauvaises choses. Je peux vous dire que moi j'ai aussi expérimenté des mauvaises choses. S'aimer soi-même, ça vous permet d'aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre ou les autres. Ce n'est pas possible. Alors regardez-vous dans ce miroir et dites que vous êtes une belle personne. Demandez pardon à celles et ceux dont vous avez fait du mal, conscient ou inconscient. Demandez pardon. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai blessées. Voilà comment vous devez dire. Je demande le pardon à toutes les personnes que j'ai blessées, consciemment et inconsciemment. Vous méritez, n'est-ce pas, de vous apporter cet amour dont vous avez vraiment besoin. Et vous en avez le droit et le devoir. N'attendez pas quelqu'un d'autre pour le faire à votre place, parce que personne ne peut le faire. Qui mieux que vous vous donnera, vous encouragera, vous pardonnera, vous félicitera. Qui d'autre que vous? Et pour vous aimer, vous devez accepter dans votre entièreté, avec vos fragilités, et bien vos imperfections, en restant indulgent envers vous-même. Cessez d'attendre les compliments des autres. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et dire cela n'est pas égoïste, n'est-ce pas? Lorsque vous aurez appris à vous aimer, à ce moment-là, vous pourrez aimer les autres, simplement et véritablement. Il y a un travail à faire sur soi, n'est-ce pas, pour celles et ceux qui ne s'aiment pas. Et je vous encourage de faire ce travail.
petit rituel. Lorsque vous doutez de vous, eh bien, interrogez-vous face à un miroir sur ce qui vous embête, sur ce qui vous empêche de vous aimer. Listez ce que vous considérez être, eh bien, vos imperfections. Demandez-vous pourquoi vous ne les appréciez pas. Serait-ce à cause des standards de beauté véhiculés par les médias? Peut-être des normes sociales? Et ensuite, positiver et lister trois choses que vous aimez chez vous ou que vous estimez avoir bien fait. Soyez fiers de vous et face au miroir, je vous demande de répéter « Je mérite mon amour. Je mérite mon amour. Je mérite mon amour. Je n'ai besoin de personne d'autre pour m'aimer. Je n'ai besoin de personne d'autre pour m'aimer. Je n'ai besoin de personne d'autre pour m'aimer. Et à force de le dire, cela deviendra une vérité. Très beau message, n'est-ce pas? Alors, je termine par l'oracle de l'évolution. Alors, si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Voilà le message de l'oracle de l'évolution. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout fort. À demain.